et je suis de ouf. 5000 viewers, chat, merci beaucoup. Merci d'être là. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je suis là pour vous faire passer une bonne soirée et un bon début de week-end. Bienvenue à vous. Alors, j'espère qu'il y a une cinématique, j'espère qu'il y a une musique, j'espère qu'il y a un truc. Hein. Désolé pour le... Il parle full screen, mais je mettrai après full screen. Dites-moi qu'il y a une cinématique, dites-moi qu'il y a un truc incroyable. Sortie audio casque, sous-titres oui, langue des voix. Alors, je sais que la VO est, en meilleure qualité apparemment que la VF. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit sur Twitter, fais-le en VO, fais-le en VO, fais-le en VO. Mais juste pour comprendre l'histoire, ok? Juste pour que ce soit pas chiant de lire tout le temps. Parce qu'il y a des gens qui comprennent pas l'anglais et qui vont devoir lire tout le temps. Je comprends pas que ce soit chiant pour vous. On va le faire. Putain, il y a un mec qui s'appelle Nishila. Gros, il y a un mec qui s'appelle Nishila dans le chat. Il y a Nishila. Il est là, Nishila. Non, non, mais en vrai, chat, je vous explique. Juste écoutez-moi jusqu'au bout, après vous comprendrez. Juste pour que ce soit plus simple pour tout le monde de comprendre le jeu, ok, dans sa globalité. On va le faire en français dans un premier temps. Et quand le gros commencera, on le refera en VO, ok? Donc ne vous inquiétez pas. On le fera en VO, ok? Ne vous en faites pas. On le fait en VF dans un premier temps, et après on le fait en VO. Ok? Nickel. Non mais je sais qu'en plus la VF est bonne, parce que dans RE7, la VF était bonne, tu vois. Donc il n'y a pas de raison pour qu'elle soit mauvaise sur celui-ci. Ok. Oui. Je pense... Ah voilà, ok. Faudra déplacer quelque chose jusqu'à ce que le motif soit à peine visible. Chat, vous me dites? Moi, à peine visible, pour moi, c'est genre... Pour moi, c'est là. Hein. Tu vois. Mais vu que c'est le chat, c'est que ça... Sourcil à mort, on va mettre là, en fait. Motif à peine visible, ouais, c'est ça. On va mettre là. Parfait, là, c'est bon. Ok. Oui, parce que le motif, c'est à peine visible. Du coup, faut partir à gauche, c'est ça. On part là. Vous le voyez, là, le motif? Enfin, genre, il est à peine visible. Je sais que normalement, ça devrait être, genre, littéralement là, en fait, c'est pour moi. Mais vous le voyez pas. Du coup, je dirais genre peut-être là, pour pas que ce soit non plus genre trop sombre, tu sais. C'était bon? Encore? Vous voulez qu'on décale encore un peu? On le voit trop? Là? C'est bien? C'est bon? Parfait? Mets la cam, t'as dit quoi? Mets un cran à droite du tien. Ah, un cran à droite du mien? Ok, alors attends. Non! Attends! Dans ce cas-là, moi, ce serait ça, alors, dans ce cas-là. Non, tu sais quoi? Je vais mettre ça. Je vais mettre ça. Et là, c'est nickel, comme ça? Ok. Chat, est-ce que comme ça, c'est nickel? Parce qu'en fait, j'ai peur que ce soit, genre, trop sombre, et qu'en fait, vous ne voyez rien. Après, on pourra le régler, c'est ok, tu vois. C'est parfait, là? On touche plus, c'est bon? Nickel, tout le monde valide? Clean? Ok, c'est bon. Dépassez le curseur jusqu'à ce que l'image de gauche disparaisse, si vous ne... Voilà, ok. L'image de gauche, donc celle-ci? En vrai, si je fais comme ça, en fait, pour moi, c'est bien là. Mais vous, en fait, c'est genre trop sombre, j'ai l'impression. Merci beaucoup, Quentin. C'est d'accord, depuis les 10 ans, maintenant, j'en ai 20. Pour tout ce bonheur, merci pour tout ce bonheur que tu procures, love. Ah, il est trop mignon, Quentin, merci beaucoup. Esteban, merci beaucoup, frérot. Trop sombre, là, on est d'accord. Hein. Là, c'est beaucoup trop clair. Je dirais là. C'est quoi, on part sur ça et on verra en fait. On verra. C'est bon, c'est parfait. Du coup, si j'ai compris, on donne aucun tips. C'est full découverte, absolument, c'est ça. Exactement, tu me dis rien, Damso. Ne me dites rien, je veux rien savoir. Genre, si je meurs, je meurs. Si je dois tomber dans un trou parce que je savais pas, et ben, je tombe dans un trou et je meurs. Tu vois. Ne me dites pas, genre, fais gaffe, il y a un trou plus loin, tu vois. Ne dites rien en fait. Vraiment. Deux crans droite encore? Sérieux? Bah, tu sais quoi? On coupe la part en deux. Ok. Là, il est bon. Je valide. Faut lire sérieusement. Ah, ouais, ok. D'accord. Ouais. Ok, pourquoi pas. L'épisode suivant, on t'a ajouté au jeu Samurai Edge AW Model 1 et accessoire d'armes Monsieur Everywhere. Ah! Le Samurai Edge, c'est l'arme de Chris Redfield, je crois. Dans le DLC, rappelez-vous. C'est l'arme de Chris. Et le accessoire, c'est quoi, Monsieur Everywhere? C'est quoi ça? Vous pouvez acheter tous ces sujets au marchand, ok.
C'est quoi, monsieur Reviewer? Les éléments suivants ont été ajoutés dans le menu option filtre found footage de Resident Evil 7, magnétoscope de sauvegarde de Resident Evil 7, musique de la salle de sauvegarde, go tell Unready. De ouf! Ok. Illustration bonus, stratégie. Ok, rapport de la famille Baker. Vous pouvez accéder. Ok. Faut compléter. Je veux compléter. Ah! Pourquoi vous gâcher l'histoire? Nous vous recommandons de regarder les illustrations de la tragédie Tannemutter. Ok. Une fois le jeu fini. Ok, ok. On est ajouté. Mode difficulté. Village des ombres. Ok, c'est quoi? Est-ce que c'est mode ultra difficile ça? Ça y est! Le gouvernement est ajouté. Accessoires d'armes sur Raccoon. Ok. Ajouté au jeu, kit de survie. Mais pourquoi vous mettez pas tout ce qui a été ajouté au jeu au lieu de mettre ok, 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 ok. Obtenir gratuitement, ok. Voulez-vous regarder un résumé de l'histoire? Ah oui. Alors attends, du coup, il faut que je fasse ça. Attends. Du coup, il y a un résumé. Chat, petit résumé pour ceux qui n'auraient pas compris le set. Ok. Par où commencer? Mon nom, c'est Ethan. Ethan Winters. Cette histoire chez les Baker, ça s'est passé il y a 3 ans. 3 ans, okay. J'étais à la recherche de ma femme disparue. Elle m'avait envoyé un email. Elle me demandait d'aller la chercher. Et c'est comme ça que j'ai atterri au milieu de nulle part, en Louisiane. J'ai retrouvé Mia alors qu'elle était retenue prisonnière dans un sous-sol. La catégorie, les modos, s'il vous plaît. Mais elle était plus la même. Elle m'a attaqué comme une bête féroce. Plus tard, j'ai découvert qu'elle avait été infectée par une sorte de moisissure. Merci les modos. J'ai fouillé la maison à la recherche d'un antidote, d'un vaccin ou autre. Les gens qui vivaient là étaient eux aussi. Ce qui restait d'eux n'avait plus rien d'humain. La source de l'infection était une arme biologique ayant la forme d'une petite fille. Elle s'appelait Evelyn. J'ai affronté cette famille de cinglés et j'ai réussi à soigner Mia avec un sérum. Et puis Chris Redfield et son équipe ont débarqué et nous ont sauvés tous les deux. Est-ce que ça ira? J'ai vraiment plus envie de parler de ce qui s'est passé. C'est terminé maintenant. Ah, ils ont mis ma chaîne à écrire? Ah, ils ont mis... Wow! Wouah! Oh là 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 là, les gars! J'ai rêvé de ce moment, putain! J'ai l'impression qu'ils ont remis la machine à écrire. Et d'aller viser. Non. Effet visuel des dégâts. Non, c'est chiant. Plutôt oui, 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 ok. Ensuite, affichage. ...5500 viewers. Oh là là, c'est incroyable. Merci beaucoup les potes. J'espère que tout le monde va bien. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à vous. On n'a pas encore commencé, hein. Je suis en train de refaire les options vite fait. Les voix à fond. Musique, on va baisser un tout petit peu. Effet sonore aussi. Volume son système, ok. Plage dynamique... étendue. Sortie audio casque. Sound, non, on s'en fout. On n'a pas de cast surround. Français, ça c'est bon. C'est où les paramètres graphiques? Ah, c'est là? Ah ouais, c'est là, ok. Plein écran, je vais juste mettre en plein écran sans bordure. Fenêtré sans bordure. Parfait. Zuber. Ouh là là, c'est quoi cette résolution? Qui joue encore 1980 par 1080 à part sur... Ouh là là. Attends, on est sur sur Switch là ou quoi? Ah non, c'est bon. J'ai eu peur. Framerate variable, synchronisation verticale, non. Mode de rendu. Attends, je vais toutes les options. Mode de rendu. Normal. Qualité d'image. Ah, ça c'est le super sampling. Non, non, je vais laisser à 1. Fidelity of Sound, je laisse.
C'est quoi le mieux? Evixa, Théa? Des textures, oh holy, ça je le veux à fond. Par contre, tu vois, j'ai que 10 gigas sur ma CG, tu vois, ça c'est relou. x16, qualité des mèches. Maximum ray tracing. Oh non! Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il bug quand je l'enlève? Il y a du ray tracing! Mais pourquoi il bug quand j'enlève en fait? C'est qu'en vertical. Oh non, 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 t'inquiète pas, fais-moi confiance. Non, non, t'inquiète pas. Si je la mets en fait, il y a du screen tearing. C'est chiant. C'est où? Ray tracing, oui. Sion. Élevé. Nombre d'éléments réfléchissants. Charge de travail élevée. On va tout monter, Woldy. Occlusion ambiante, bien sûr. Reflet, bien entendu. Niveau de qualité d'éclairage volumétrique. Incroyable. Transluminescence. Je suis pas fan en vrai. Ça, en fait, ça floute l'image. Non, Nick. Niveau de qualité des ombres. Ça, on peut le baisser parce que ça bouffe beaucoup les ombres généralement. Mode intermédiaire. Ombre de contact. Ouais, ok. Ok. Flou lumineux. Vas-y, pourquoi pas. Lens flare. Ah, je suis pas très fan du lens flare. Mais vas-y, je vais le laisser. Le grain. Horrible. Profondeur de champ. Non. Parce qu'en fait, profondeur de champ, ça floute. Regarde derrière plan comment il va flouter. Vous voyez comment ça le floute? Je suis pas fan en fait de ça. Distorsion de lentille. Vas-y, pourquoi pas. C'est bon. All good. Attends, du coup, je vous montre un tout petit peu Attends, je vous montre un tout petit peu. Je sais pas si ça va tenir. La qualité de texture. Genre, élevé, ça passe, tu penses? Vas-y, je vais mettre en élevé. Si je vois que c'est trop gourmand, je la baisse un petit peu. C'est bon. Tac, 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 tout est bon. Un conseil, gamma à fond. Ouais, je sais pas. Tout full, où on est? Gros, tout full, j'ai peur, tu vois, genre que ça lag dans tous les sens et tout, tu vois. Ok, je pense que là, on est bon, les gars. Mesdames et messieurs, bienvenue pour cette partie. Cette nouvelle partie sur Resident Evil 8. Oh my wa, chat. Mamouche, merci beaucoup pour le sub gift à Rate. Merci beaucoup, les gars, pour tous les subs, donations, bit cheers. Hein. C'est les os depuis tout à l'heure. Attends, bonus. Ok, je rate rien en fait. Nouvelle partie. Alors, facile, standard, hardcore, village des ombres. Survivre à l'impossible. Ouais, c'est genre vraiment ultra hardcore en fait. Ok, fauve. Ah ouais, attends. De ouf, c'est où la fauve? Caméra? C'est où la fauve, les gars? Y'a pas la fauve. Ah, y'a pas! Ah, c'est via un mode! Oh, ok. Flemme. Non, y'a pas, apparemment. Y'a pas. Y'a pas, c'est pas grave. C'est ok. On va genre, en fait, ça va nous simuler un peu la play. Vous allez souffrir. Non, tu sais quoi, je vais un standard. J'ai pas envie de galérer de ouf au début, tu vois. Je veux kiffer un peu le jeu et tout, tu vois. Il y a bien longtemps, une petite fille s'en alla avec sa mère cueillir des baies pour son père qui travaillait d'arrache-pied. Mais la forêt les accueillit avec un silence froid et pesant. Les buissons étaient vides. Déterminée à trouver des baies, la petite canaille lâcha la main de sa mère et disparut entre les arbres. Les cris inquiets de sa mère s'estompèrent rapidement à mesure que la fillette courait, s'enfonçant de plus en plus dans la forêt.
Commençant à se sentir observée, elle se rappela les histoires effrayantes que lui contait sa mère, et sa gorge devint toute sèche. Le seigneur des chauves-souris apparut. Il la salua chaleureusement et se mordit l'aile. « Viens, mon enfant, étanche ta soif, » dit-il. Covid. Elle but son sang noir et épais et sourit de bonheur. Covid. Tandis qu'elle traversait un cimetière, des nuages menaçants recouvrirent le ciel et l'air se glaça soudain. Maigrement vêtu, l'enfant frissonnait, mais un tisserand sombre apparut et d'un claquement de doigts, il transforma la brume en une robe magnifique. « Viens, mon enfant, réchauffe-toi, » dit-il. Elle enfila le vêtement et sourit de bonheur. Elle navigua sur des eaux profondes et sinistres, à bord d'un bateau qui, espérait-elle, la ramènerait chez elle. Mais la faim resserra son emprise et son cœur s'alourdit. C'est alors que le roi des poissons apparut et lui offrit l'une de ses nageoires. « Viens, mon enfant, remplis ton estomac !» La fillette mangea et sourit encore une fois de bonheur. « Non mais elle a un cul, elle !» Continuant sa route, elle atteignit bientôt le cœur sombre de la forêt. Là, un destrier de fer apparut, paré d'un magnifique rouage en or. La créature ne dit rien quand la fillette s'approcha, pour saisir ce qu'elle pensait être un autre cadeau. Le cheval se mit en colère et appela les autres monstres. Le cœur de la petite fille s'emplit de peur alors qu'un vent féroce se leva autour des créatures. Soudain, vint une sorcière, ténébreuse mais majestueuse. Mais ça, les... « Plus on t'en donne, plus tu en veux, » grogna-t-elle. « Maintenant, nous réclamons notre dû. » En un instant, la fillette fut emprisonnée dans un miroir. Comment tu changes des trucs ? Ok. Putain. Ok, en fait, tu as raconté une histoire. Je me disais, mais attends, mais je comprends pas. Genre, on joue à Alice au Pays des Merveilles ou Resident Evil ? Ça y est. Elle dort. Mais t'as pas des histoires moins flippantes ? Elle a que 6 mois. Selon la vendeuse, c'est traditionnel. Un conte local. Et puis. Ça n'a pas l'air de gêner Rose. C'est surtout qu'elle comprend pas. Et heureusement, on s'est installé ici pour qu'elle grandisse sans tout ça. T'as oublié ? Ma mémoire fonctionne très bien. Ok. Tranquille. Commence pas à crier. Calme. Écoute, t'es trop parano. C'est juste... Non, laisse tomber. Désolé. Je suis pas parano. Je suis prudent. Dans ce cas, va prudemment mettre ta fille au lit. Elle a rangé ses dents. Elle a plus des dents de dauphin. Vous vous rappelez, Mia, elle avait des dents de dauphin. Préparer le dîner. Attends, mais ma fille, c'est... On dirait un adulte bébé. On dirait un adulte, la fille. Attends, what? Tout va bien. Ta mère préfère oublier tout ça, mon cœur. Je peux pas lui en vouloir. Tu as dit quelque chose? Rien, je vais la coucher. Mais c'est quoi les ancils là, ultra basse? Attends, tiens, j'ai une question. Tout le jeu va avoir cette FOV pendant tout le jeu? Elle va faire des ravages plus tard. Elle va soulever des mecs plus tard. Oh, elle est trop mignonne. Ah ouais, ça les FOV du jeu. Ah ouais, j'avoue qu'elle est un peu trop zoomée. Mais en vrai, ça va, c'est comme le 7. En vrai, ça va, c'est comme le 7, c'est ok. Tiens, mon cœur. Regarde la télé, baisse-toi les yeux, comme ça tu vas porter des lunettes plus tard. Réveille-toi, je t'ai dit. Réveille-toi, regarde la télé, je t'ai dit. Mec, il nique tout. Le moteur bébé est éteint. Les couches de rose, vous êtes trop petites. Ah, les gars, ça commence. Les gars, le let's play commence, c'est incroyable.
pris un temps fou de choisir ces lingettes. Eh, le jeu, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que le jeu il est giga beau. Chat, c'est fluide pour vous sur le live ou pas? N'hésitez pas à me dire hein, vos retours et tout. Hein. Quand tu seras grande, je te ferai goûter, d'accord? Regina Rosie, nom du vin. Oh! Mia, quel miracle. Ah, on peut le tourner en cliquant, ok, faut cliquer. Ok, ok, faut cliquer pour tourner, ok, ok. Tout est bon, parfait. C'est juste trop clair. Non, elle, c'est rose. Abonnez-vous. Non, mais c'est normal, les gars, la lumière allumée, vous êtes cons, quoi. Normal que ce soit clair. Encore un nouveau livre. Voilà, elle va nous ruiner. Elle fait qu'acheter des livres. Il y a 3 ans, j'aurais pas pu imaginer ça. Même en rêve. Augmente le son. Mais le son, il est à fond, les frérots. Le son est à fond. Non mais le son est à fond. Je peux pas le monter plus que ça. Non mais c'est sympa que le son soit bas les gars. Genre le bébé il dort. Mais vous avez cru qu'ils allaient mettre le son en bonne boum boum tchac, boum boum tchac. Le bébé il dort, normal que le son soit faible. Le son je pense sera bien après, vous verrez. Tu as faim? Non? Plus tard alors. Baisse ta voix. Ah je baisse ma voix, ok. Dépêche-toi de mettre Rose au lit, tu veux? Vas-y, bah attends, c'est bon comme ça ma voix ou pas? Vous voulez que je baisse encore un peu? Ah, ok, là c'est bien. Vas-y, j'ai baissé ma voix, c'est bon. C'est bon? T'approche pas trop de moi quand je cuisine, chérie. Pourquoi? Tu maraboutes la bouffe? Qu'est-ce que tu fais, Ethan? Bah, je vois ce que tu fais. Est-ce qu'on a encore du nichi là? Ah, ok. Déjà, l'ouverture de porte, elle est comme dans le set. C'est cool, ça. 2 février 2021. Les six mois de Rose. Attends, c'était en 2017? 18, 19, 20? Plus, ouais, les 9 mois... Okay, elle aura okay. Un an avant qu'on s'en rende compte. Ça pousse tellement vite. Il faut en profiter tant qu'on peut. Est-ce qu'il y a du nichi là? J'ai rien, on a plus de niche là. Repas de Rose, février. Le 6 février, céréales de riz, purée de banane. Le 7 février, purée de patates douces, épinards à la crème. Ethan ne lui donne pas de sucre ni de miel, et surtout pas de champignons. Non, les champignons, t'inquiète, c'est toi qui vas lui donner. Oh my god. Eh, franchement, eh putain. Tu sais que dans les jeux, j'ai jamais vu une pomme aussi ronde de ma vie, je vous jure. Souvent, les pommes, elles sont un peu dégueulasses, tu vois. Là, la pomme, elle est fluide. Elle est plus ronde que dans la vraie vie. Ok, vas-y, on monte. Ah ouais, elle dit pas de champignons. T'inquiète pas, c'est toi qui va donner les champignons. Eh, le jeu sur PC, je sais pas sur console, mais sur PC, le jeu, il est on point. Hein. Oh, attends, le RTX? Ah ouais, regardez, le reflet du tapis et tout. Ah ouais, propre d'ouf en vrai. N'aie pas peur. Je l'ai dit à maman. T'es un peu petite pour ce livre. Sur PS5, c'est une dinguerie. Ok, ok. Ça, c'est un coup, je vais l'acheter demain. Le jeu, merci. Oh, pardon, Shinra, désolé. Mais c'est une valeur sûre. Maman et moi, on adore cette mélodie. Que grand-mère nous a offert pour notre mariage. Grand-mère, où? Ok.
Nature's Milk. Oh, du lait nature, j'adore ça. J'adore tout ce qui est à base de lait. Ma chérie, tu veux des médicaments? Tu veux des somnifères? Tu dors pas assez. Médicament de Mia. Elle est sous traitement depuis l'accident. Oh! Elle est sous traitement depuis l'incident. C'est bon à savoir déjà. Ouais, le bébé est extrêmement bien fait. Non mais vraiment, je trouve que il y a eu un vrai step-up. Tu sais, même les cheveux, je sais pas si vous voyez, mais même tu sais, les cheveux et tout, c'est vraiment bien foutu. Hein. Là, genre la peau, tu vois, les pores de la peau, bon, peut-être les mains, genre elle a des mains de bébé qui travaille dans le chantier, mais tranquille, on fait abstraction de ça, tu vois. Mais en vrai, en dehors de ça, c'est vraiment bien foutu, ouais. C'est vraiment bien branlé. Pendant la grossesse, moins... Ouais, mais... Alors en fait, ils ont dit l'incident, donc en fait, depuis, tu sais, qu'elle était possédée, en fait. Oh, oh, oh. Va falloir que je nettoie tout ça avant que Rose fasse ses premiers pas. Ouais, tout doucement déjà, parce que tu me fais peur. Fin de l'enquête sur l'incident de Dulvey. Dulvey, c'est Resident Evil 7. Les investigations sur les émanations de gaz toxiques survenues à Dulvey, Louisiane en 2017 ont officiellement pris fin le 18 de ce mois. La commission en charge de l'enquête a conclu que le drame était dû à un brusque dégagement de gaz naturel acculé dans les roches sédimentaires du sous-sol. Rappelons que cet incident a fait plusieurs victimes, dont Jack Baker et sa famille qui vivaient dans les environs. Quant aux Winters, qui semblait-il étaient également présents sur les lieux au moment de l'incident, on ignore toujours où ils se trouvent à l'heure actuelle. La zone a été intégralement fermée par les autorités qui estiment qu'il faudra au moins 10 ans avant qu'elle ne redevienne habitable. Émanation de gaz. J'adore. Personne se souvient de cette histoire. Mais ouais. J'adore le 10 ans, tu sais. Ma bite. Umbrella est dans le coup depuis je sais pas combien de temps. Et les connections. Regarde. Historique des architectures, des châteaux et donjons d'Europe de l'Est par George Trevor. Ah, Europe de l'Est. Sachant que le 7 se passe en Louisiane, c'est ça? Je sais pas pourquoi je garde ça. Faudrait que je m'en débarrasse, un de ces quatre. L'Indien, de retour. Trop stylé. On y est presque, ma puce. Quoi? Eh, c'est pas moi qui ai ouvert, hein. D'abord, je fais le tour de la maison. Deuxième page sur le journal, tu l'as loupé. Non, je l'ai ouvert, je l'ai lu. J'ai fait F, je l'ai lu. J'ai fait F, je l'ai lu. Bah. L'échographie, la grossesse et la naissance de Rose. Ok. J'aimerais que ça reste toujours comme ça. Eh non, faut aller au village, frérot. Ma maison est grande. Ça pour la survie, manuel d'utilisation des armes lourdes. Que je devienne parano. Attends, j'ai pas lu. Manuel des armes lourdes en situation de combat par Joseph Kendo. Ah ouais, il est prêt. Il va s'armer. Coucou, petite Rose. Il a réveillé. Il a réveillé sa fille normale. Non, Rosemary Winters. Ah, Rosemary Winters, ok. Date de naissance de août 2020. Taille 62 mètres. Poids 6,57 kg. 62 mètres. Examen. Oui, vu, touché, réflexe de base, aucun trouble apparent, l'enfant est en bonne santé. Remarque, les résultats des examens complémentaires relatifs au dépistage d'agents pathogènes fongiques seront fournis par le BSA. Ah,
pour être sûr que l'enfant n'est pas infecté. 62 mètres, bah ouais, c'est Dimitri Chkou. C'est elle plus tard. Hôpital mémorial d'Appelfeld. Ok, ok. Rose va bien. Ok. Sifuri 2021, on s'est encore disputé, Mia et moi, j'ai eu le malheur de parler de ce qui s'est passé il y a 3 ans et ça l'a fait sortir de ses gonds. Maintenant qu'on a pris nos repères dans cette nouvelle vie en Europe, on va enfin pouvoir se consacrer à Rose. Ah, donc ils ont déménagé en Europe, ok, ok. J'ai quand même l'impression qu'une partie de moi a encore du mal à tirer un trait sur ce qu'on a vécu en Louisiane. Je sais que Mia n'aime pas en parler, mais est-ce qu'on peut vraiment tout oublier et faire comme si rien de tout ça n'avait existé? Je pense au contraire qu'on devrait faire face à notre passé pour mieux construire notre avenir avec Rose. En tant que parent, on lui doit bien cela. Je suis sûr que Mia en est consciente, elle aussi. Elle n'aurait pas explosé comme ça à l'hôpital si ce n'était pas le cas. Ok, ok. Ah, donc tu vois, en fait, elle est pas forcément... Enfin, j'ai pas très fière, en fait, je pense, de ce qui s'est passé. Et je pense qu'en fait, elle s'en veut et c'est pour ça en fait, qu'elle veut plus en parler. C'est la pêche préférée de Rose. Okay. Merci beaucoup, Silex, pour le seul gift à Arcus. On va pas faire attendre ta mère. Elle fait peur quand elle est fâchée. Ah, oh, de ouf. Les habits de Rose pour le lendemain. Mec, je fais des demi-tours, mon pote. Elle doit se manger des torticolis. Crac, 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 crac. Elle doit se manger la pauvre des torticolis. Et en fait, je cherche du loot. Okay. Y'a pas de loot, les gars. Pas de loot. Et voilà, mon ange. Appuie sur... Ah, merde, trop tard. Ne t'inquiète pas. Je suis juste en bas. Papa ne laissera aucun vilain monstre t'attraper. Ouais, le jeu, en vrai, le jeu est magnifique. Je suis en ultra, hein. Juste pour ceux qui se posent la question, je suis en ultra. Le jeu est magnifique. En vrai, le jeu est vraiment, vraiment beau. Est-ce qu'il a encore une tête de... Ah, je peux pas viser. Ok, ah, c'est pour faire demi-tour. Ok, c'est bon, ça va. Rose égale loot. Non, mais Rose, on peut pas... Je vais rien dire. Après, je vais me faire ban. Ah, c'est comme X. Ok, d'accord. Ok, là-bas, j'y étais. J'aurais juste, s'il y a pas un truc que j'ai loupé... Pef. Ouais. Ça y est, tu l'as mise au lit? Oui. Attends, je vais le voir parce que sinon elle va me goumer. Elle va me dire. Elle va commencer à se transformer. Ok, y a rien. Hey, fais moins de bruit. Je vérifie que la porte est fermée. Ouais, c'est bon, c'est fermé. Le con. Attends, est-ce qu'on peut la voir? Oh! Elle dort. Bah, heureusement qu'elle dort, frère. T'imagines, tu regardes et elle est en train de. Vas-y, hein. Oh! Ça a été? Elle dort comme un bébé. Mais ça sent bon, ça, c'est quoi? Hé, hey, bats les pattes. C'est une chorba de légumes. Ah, une recette locale. Chorba. Waouh, tu t'adaptes vite, toi, hein, on dirait. Même le vin est du coin. Mais si c'est pour faire la tête toute la soirée, il vaut peut-être mieux que tu touches pas. Il faut vraiment que t'arrêtes de t'en faire. Ah, je sais, ma chérie, mais... Te retrouver en Louisiane, la grossesse, Chris qui nous amène ici, l'entraînement militaire... Tout s'est enchaîné si vite. Mais au moins, on est ensemble. Toi, moi, Rose. Maintenant, je suis sûre que tu vas... Sérieusement? Tu crois qu'on peut faire comme si rien ne s'était passé en Louisiane? Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Franchement, je comprends pas pourquoi t'es si... Mia, baisse-toi! Mia!
Désolé, Ethan. Non ! Putain ! Pourquoi ? En fait, j'ai une érection, et d'un côté, je voulais l'enculer. Genre, c'est un enculé, mais j'ai bandé parce que je l'ai vu. Il est incroyable, Chris. Mais j'ai pas goûté la shorba, les gars, on n'a pas goûté la shorba. Oh, c'est un... hey, ça commence tellement lourd. Avance! R.A.S. Rose, qu'est-ce que vous foutez avec ma fille? Nous l'avons. Emmenez-le. Je vous interdis de la toucher! Ethan, non. Un bras. Sortez-le d'ici. Un bras, les gars. Hey, Chris, c'est un enculé, pourquoi il fait ça? Oui, docteur. Bonjour, monsieur Winters. J'ai les résultats de votre fille et j'aimerais vous voir pour que l'on en discute, disons, jeudi prochain à 4 heures. Parfait. On y sera. C'était le docteur. Rendez-vous la semaine prochaine. Allez. Fais pas cette tête. On en a déjà parlé. Je sais. On ne parle quasiment plus que de ça. Et pour la énième fois, ce n'est pas Rose qui m'inquiète. Mais alors c'est quoi qui t'inquiète? Dis-moi. Elle dira bien, j'en suis sûr. C'est ce qui compte, non? Et nous, dans tout ça, je tiens à toi. Tu vois pas que... Mais de quoi est-ce que tu me parles? Il y a quelque chose que tu m'as pas dit? Vas-y, parle-moi. Chat, imaginez, hypothèse de ouf, hein. Hey, no spoil. Non, vas-y, c'est quoi, je dis pas. Non, je dis pas, je dis pas. Merde. Faut que je réponde. My little angel. D'usage. Objectif, abattre la cible et récupérer le corps. Sécuriser Rosemary Winters et Ethan Winters. Transporter les Winters jusqu'au site C pour des examens approfondis. Au moins 2 soldats devront les accompagner. Abattre la cible. Je pense qu'elle devait être infectée en fait. Récupérer le corps. Sécuriser Rosemary Winters et c'est la fille et Ethan Winters, transporter les Winters jusqu'au site C pour examen plus approfondi, tu vois. En fait, je pense connaître la fin du jeu. Au moins de ça devront être... Non, je connais pas la fin du jeu. Mais je pense comprendre pourquoi ils ont voulu récupérer le bébé. Je pense c'est parce que, en fait, comment elle s'appelle, Rosemary, à mon avis, a dû contracter, en fait, le virus E, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sais pas, hein, je pense. Hein. Ou du moins un truc similaire.
Parce que sinon, pourquoi il voudrait la récupérer dans ce cas? J'ai pas d'inventaire encore? Je peux pas ouvrir l'inventaire? Ok. Je pense que parce que la petite, elle se régénère. Ah, une trace dans la neige, c'est stylé. C'est bien branlé. Arrête d'auto-spoil. Non, je m'auto-spoil pas. Faut pas avoir un QI négatif, les gars, dans la vie. Hein. Tu sais, ils ont tué Mia et ils ont récupéré le corps. Il y a écrit tuer la cible et récupérer le corps. Et ensuite, ils ont dit récupérer les trucs. Donc, en fait, logiquement, soit Mia. Elle était contaminée et ils ont voulu la tuer, tu vois. Soit, en fait, le bébé, à mon avis, a contracté une forme peut-être évoluée du virus E, là. E001. Je sais pas si je loot dans cette séquence. Trop clair, je trouve. Attends, là, c'est trop clair. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais moi au-dessus je vois rien. Moi je vois la branche, et au-dessus de la branche c'est noir. Là je vois l'arbre. Mais ceux qui disent trop clair, les gars. Défense d'entrée. Thank you. Je pense, les gars, votre. Votre truc est mal calibré. Hein. Parce que si vous voulez, je peux diminuer, hein. Mais après on va rien voir, frère. Hein. Genre. La lumière en temps, ça va servir à rien, tu sais. Non, je pense que vous devez recalibrer votre écran, les gars. Merci beaucoup les gars, merci beaucoup pour les subs. Merci pour les resubs, merci beaucoup French Master pour les 5 euros. Les gars, j'ai jamais vu des corbeaux aussi bien fait dans les jeux vidéo. Les plumes sont incroyablement bien texturées. C'est insane. Graphiquement, il y a des trucs qui sont incroyables. C'est incroyable, c'est vraiment très joli. Oh, on fait peur, putain de con. Mais compris, 45 corbeaux là. Je suis bloqué. Oui.
C'est gratuit, c'est moi qui offre. Il va faire le robinet. Ah les bâtards. En fait, c'est le même début. En fait, les chiens. En fait, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est exactement le même début que Resident Evil 7. Tu sais, genre, il rentre dans la maison, tu vois, je sais pas si vous vous souvenez, il arrive par la voiture, il rentre par la maison, et en fait, il ferme le robinet, tu vois. Ils ont fait pareil. Tu sais, le robinet coule comme ça, et il ferme le robinet, tu vois. Petite référence au 7. Mais là, on voit rien, c'est ouf, hein. Je pense qu'on a vraiment bien, calibré la luminosité. Chat, je suis pas bien. Chat, je vous jure, je suis pas bien. Y'a pas de doute là? Ah ouais, je suis déçu. Okay. Ouais, c'est bien branlé. Le son est bien travaillé. Hein. C'est assez ouf. Ah, on peut zoomer. Oh, stylé. Franchement, c'est ça ce qui manquait dans le set, c'est qu'on pouvait pas zoomer sur les trucs. On dirait la nonne. C'est du sang dessus. Ah non 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 non. Putain, j'aime pas les trucs comme ça. Ça va faire peur, gros. Jumpscare de ouf. Sérieusement? Ah les chiens. Les gars, on est des hommes, on est pas des hommes, on est des hommes avec des Z, putain, les gars, des hommes, ok, qui ont des grosses couilles. On a peur de rien, les gars. Ah, il peut s'allonger. Stylé, en vrai.
Ah ouais, t'es con, il y a du sang. Ah, t'aurais dû appeler Chris. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, à sa place, je retourne dans la voiture, je dors fort. Et j'attends les secours. Oh, mais il a pété le truc! Attendez, chat, laissez-moi 2 minutes. Je vais juste faire un truc tout con. Je dois régler ma sensibilité parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je vous le voyez pas, mais en vrai, je galère à mort. Avec la sensibilité, je galère à mort en vrai. Caméra. J'avais eu combien sur RE7? J'avais eu combien 7 sur le 7? J'avais mis ça, non? What? Je comprends pas. C'est bon. Merci beaucoup, Psycho, merci beaucoup Abdel, merci Mustang pour les 2 mois, merci Psycho pour le Prime, welcome my man, merci Shifu Kato, merci beaucoup pour le Prime, welcome my man, merci Mamouche pour le subgift, merci Silex, merci Ario, j'ai rien arrêté là. Merci Ario, merci tout le monde, c'est un coffre ça non? Ouais c'est un coffre. Merci Ario, merci tout le monde pour les subs les gars, j'apprécie. Merci à la piraterie, merci Kleiner, merci Freshmaster pour les 5€. T'as pas honte de nous spoil avec tes théories? On t'aime frérot. Mais les gars, je mets des théories. Merci beaucoup Patriot Gaming pour le sub gift. Welcome, welcome. Bienvenue vous les potes. Où est-ce que je suis? Attends, c'est-à-dire que là il y a le village, après il y a le château, ça vous rappelle rien ça? Comme jeu? Un village au début, après un château? Non? Ça vous rappelle pas le 4 par hasard? C'était pas la même conception? Village puis château? Par contre, d'abord, faut me donner du loot, hein. Parce que... Oh. Il est encore chaud, il vient d'être tué, il est encore chaud. Oh, le pauvre. L'ambiance, elle est insane. Je sais pas si c'est comme le 7 ou est-ce que le loot, tu le vois de... Faut être très très proche. Ou est-ce que tu vois, le vois de loin, le loot?
poudre, deux poudres noires et deux ferrailles. Ok. Une plante et un fluide chimique. Oh, oh, il y a tout ça comme loot. Plante, fluide chimique, ferraille, engrenage, des boulons. Je sais pas ce que c'est. Ok. Votre famille. C'est propre. Trésor. Zone inexplorée, objet récupéré, zone complétée. Ah, c'est comme le 3, le 2 et le 3. Ils ont mis un système de zone, de clear de zone. Ah, c'est cool ça. Ok, regarde, attends. On va être là-dedans, je pense. Peut-être qu'ils sont sortis. Ok, tu peux zoomer, dézoomer la map. Ok, c'est ça, c'est cool déjà. Ok, tu peux bouger avec clic molette. D'accord, ça c'est cool aussi. Position actuelle, très bien. Passage souterrain, intérieur. Ok. Oh là 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 là. What? What? Oh, la même photo. Oui, gros, c'est immaculé de sang et tout. Qu'est-ce qui se passe? Table cassée. Choo-choo bitches. Merci les potes. Ok, en fait faut que je loot ici là, il faut un crochet. J'ai vu un truc là, non? Tiens, j'ai vu un truc, non? J'ai rêvé? Il y avait un truc, on est d'accord. Ah ouais, ça commence à germer carrément et tout, putain. L'ambiance, elle a l'air tellement glauque. Donc je sais pas si c'est par... Ah, ok. Ah, la map, elle se dessine au fur et à mesure que t'avances. Ah. Ah. I buy it at a high price. Ah, ok. Je vais te capter. Ouais, j'avoue, c'est la plus préférée de Rose. On dirait un fœtus. Mon embryon. I need the loot, man. J'adore. Je suis au début, hein. J'aime beaucoup déjà l'ambiance du truc, ça fait très
Ouais, je retrouve l'ambiance Resident Evil, tu sais. Eh, hey, mais dis-toi que les corbeaux, c'est comme dans le 4, faut les péter pour avoir du loot. Oh putain. Si c'est ça, c'est Gotti, je vous le dis. Si les corbeaux, tu peux les péter pour avoir du loot. Ah là là là. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils ont mélangé RE4 avec le gameplay du 7, tu vois ou pas? Le mode FPS. Cadenas. Okay. J'ai l'impression qu'ils ont mélangé le 4 avec le 7. Genre, je trouve un peu c'est l'ambiance glauque du 4, tu vois. Faut le manivelle à tous les coups, non? Ouais, je savais. Ok, ça c'est là où j'ai looté le... Enfin, là où il y avait la caisse à ouvrir, ok. La FOV me gêne beaucoup en vrai. La FOV, je pense que je vais peut-être l'augmenter un petit peu les gars. Parce qu'en vrai, je vous avoue que ça me perturbe un petit peu en fait. Là, il y a un truc à récupérer ici. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a à récupérer? Notif un poil forte. Je pense qu'on va peut-être désactiver les notifs pour garder l'immersion incroyable, tu sais. Attends, quoi? Y'a du loot là-dedans? Bip, 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 bip. Merci beaucoup pour tous les sables, les gars, je vous aime. Ah, je vais désactiver les notifs, je vais niquer les notifs, comme ça c'est bon. C'est bon, y'a plus de notifs les gars. Comme ça on reste dans la full immersion. Merci en tout cas pour les subs, tous les subs giftés ou toujours. Merci beaucoup Kratos, merci pour les 5 subs gift. Merci beaucoup Narco pour les 27. Merci beaucoup pour les 2. Genre, en fait dans tous les cas on pourra revenir ici parce que déjà ici y'a un cadenas à ouvrir. Tu vois là, la porte derrière moi. Et ici il me faut une manivelle pour le puits. Donc... Et là, je peux crocheter un truc. Donc, en fait, dans tous les cas, on reviendra ici, en fait. Donc, c'est ok, on peut continuer. Yohan, ça va ou quoi? À moins que tout soit ici, que je suis grave pété et que j'ai loupé tout le loot, en fait. Mais je pense qu'on reviendra ici plus tard. Ouais, on fera pour demain, je pense. On fera pour demain la FOV. Graveyard, c'est cimetière. Cérémonie, site, lieu de cérémonie. Et workshop, c'est atelier, ok. Ok. Chat, vous trouvez que l'ambiance, elle est comment? Eh, Cap, et t'as du maïs, là. Eh, hey, vous trouvez que l'ambiance elle est comment, chat? Dude, moi j'adore. Fermé suite à la disparition du propriétaire. Ah. Il y a un cadenas. Okay. Ouais, on est d'accord, même que R4, je suis d'accord. Ça fait beaucoup penser à R4 pour l'instant. Et j'aime beaucoup en vrai. Oh les poules! Eh, si, les poules! Si vous me lâchez des œufs, ce jeu c'est un gothi. Si on nique les poules et que les poules lâchent des œufs, j'annonce, hein, c'est un gothi. S'ils ont fait ça, c'est qu'ils ont vraiment voulu respecter l'âme de Resident Evil 4, tu vois. Enfin, tu sais, revenir un peu à la base RE4. Et là, je dirais que c'est un gothi.
Avec les fouets, c'est plus immersif. Ouais, mais en fait, c'est plus immersif. En fait, tu vois mieux les trucs et tout. Mais le problème, c'est que tu sais, moi j'aime bien tout regarder, tu vois, tout analyser. Et du coup, là, si je regarde à gauche, je regarde à gauche. Alors qu'en fait, normalement, là, tu sais, genre, je dois voir, genre, en fait, jusqu'à la porte là, jusqu'au portail ici et en haut. Tu sais, et là, je trouve que c'est. Tu sais, genre, j'ai l'impression de jouer sur console, tu vois. Alors, j'ai rien contre les consoles, attention, mais. Je t'avoue que si je peux voir une OVV plus large, ça m'arrangerait en vrai. Surtout que je joue sur un 27 pouces, donc en fait 27 pouces, c'est avec une FOV aussi petite, c'est compliqué, tu vois. C'est compliqué. Merde. Non. Le Koutal. Il fait ça comme s'il regardait le chargeur. Mais il n'y a rien dedans, gros. Remède de premier soin. C'est toujours contrôle pour l'utiliser. Un mec qui guérit toutes les blessures, qu'autorise les plaies et répare les tissus endommagés. Ok, tu peux le tourner. Ah, c'est trop bien. Tu peux le tourner et tout. Okay. Est-ce que tu peux le faire tourner sur lui-même pour le mettre, genre. Tu sais, de l'autre sens, tu vois ou pas? Attends. Ah, ok. C'est quoi ça? C'est genre. Ah, juste pour pouvoir tourner les trucs et tout? Pivoter. Tetris Master is back, les gars. On va faire du Tetris, les gars. On va faire du Tetris, les gars. On va faire du Tetris, putain. Ça va être trop bien. J'adore. En vrai, je suis en kiff de ouf. Quelqu'un vit forcément ici. Il y a un chapeau, il y a un sac. Et Dimitrescu. Lady Dimitrescu. Bah déjà il y a une gamelle. Ça ne peut être qu'une femme. Pardon, désolé. Du calme. Qui êtes-vous? Qui vous envoie? Personne. Il y a eu un accident sur la route. Chut. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non. J'y suis. Ils arrivent. Qui ça? C'était quoi ce bruit? Vous avez un flingue? Quoi? Dites-moi que vous avez un flingue. Pourquoi? C'est tout ce qui me reste. Prenez-le.
à cet endroit. C'est quoi là-bas? C'est quoi là-bas? On est très négraf. On est très négraf, on est très négraf. Au boulot lourd. Il perd pas de temps. Il loot sa mère. Il a deux doigts en moins, mais nique sa mère. Il loot. Bah. Ah, attends, on recommence alors. Attends, je recommence. Mais gros, il s'est barré. Mais non, mais il s'est barré. J'économise grave des balles. Bah les couilles. J'économise grave des balles. C'est tout ce qui compte. Non mais, en fait, tu sais que là, les gens sont en mode, ouais, mais Snake, t'aurais dû le tuer. Mais vous voyez le bon côté des choses, les gars. J'économise des balles, putain. En fait, vous voyez toujours le verre à moitié vide, mais vous voulez pas voir le verre à moitié plein. Attends, juste voir un truc. Attends. Mais il est où le coupe-boulon? Attends, juste voir un truc, les gars. Je crois qu'en vrai... Ouais, c'est le même. Ouais, regardez. La tâche qui est là. Ouais, c'est le même. C'est le même modèle 3D. Genre, j'analyse. Les gars, ce coupe-boulon, il existe depuis RE7. Hein. Il est utilisé sur le RE2, RE3 et là, RE8. En fait, ils se sont dit, non mais les gars, on développe des assets 3D, faut les utiliser sur tous les jeux, ok? Donc ils ont mis sur tous les jeux. Ça me tue. Oh. Fluide chimique. Matériaux pouvaient être combinés. Faut que je trouve une plante. Ah. Attends, ça, ce que je voulais voir. En fait, loot, est-ce que tu le vois de loin, le loot ou pas? Ouais, tu le vois de loin, le loot, en fait. Ah ouais, loot, tu le vois de grave loin. Dans RE7, fallait quasi être là pour voir le loot, tu vois. Ah ouais, loot, tu le vois de loin de fou, en vrai. Donc, en fait, c'est quasi impossible de rater le loot, en vrai. À moins qu'il soit caché quelque part et tout. Non, Gauthier, pour l'instant, les gars, il n'y a pas de trucs qui m'ont déçu. Hein. Ah oui, je suis con, c'est vrai, tu peux regarder la carte. Ouais, putain, je suis bête. Malheureusement, j'ai plus l'habitude de regarder la carte. Petite nouveauté par rapport au set aussi, je sais pas si vous avez vu.
Mais dans le set, en fait, tu utilisais des items. Et les items, si tu faisais tout seul, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre, en gros, quand tu faisais la clé, c'est genre, la clé se prenait tout seul, en fait, elle ouvrait la porte. Là, il fait vraiment l'action d'ouvrir, en fait, j'ai l'impression. Et ça, c'est cool, en vrai. Ouais, ça, c'est cool. Fais une petite pause. Ouais, pareil, j'ai envie d'aller aux toilettes. Attends, je finis vite fait cette zone et après on va aux toilettes. Ah, I'll buy it at a high price. What are you buying? What are you selling? Is that all, stranger? C'est malin. Pas genre un bout de... Ouais, si, de doigt en moins. Non, après, les gars, c'est Ethan. Hein. Les gars. Ethan, dans le set, il a eu la main coupée, ok? On lui a agrafé la main. Genre... Tu crois vraiment que deux doigts plus un bout de main en moins, ça va lui faire quelque chose? C'est de l'eau. Les loot, c'est marqué, mais je si les trésors le sont, si vous me fouillez... Ouais, mais c'est ce que je fais. Tant que je suis pas sûr... On dirait une radio, on dirait un signal radio. Oh, est-ce que tu penses qu'il y a des trésors comme dans RE4? Genre, tu sais, des petites gemmes sur quoi faut tirer pour les détacher. Ce serait incroyable. Oh, t'imagines? Non, par contre, s'il y a vraiment ça, là, c'est Gauthier. J'ai pas vu ce que faisait la suite. En fait, j'ai peur que la radio déclenche la suite du jeu, tu vois. J'ai pas vu ce que faisait la radio. Ah merde. Ok, passe par là, on le fera après. Ok. Genre, en fait, la radio, c'est quoi la radio? Je fais quoi, moi? Ça y est, c'est fini.
chez moi. Venez chez Louisa, la maison près des champs. Des survivants ? Attends. Les cadavres te lâchent du loot ? $300 Oh. Oh. Alright, chat. Alright. Bon, par contre, c'est par où là ? Parce que là, en vrai. Ah, il faut. Ah. Il a un doigt et demi en moins. Si j'ai pas fait la démo. Ah, si j'ai pas fermé ça, en fait, ils seraient tous rentrés et je serais mort. Donc en fait, j'ai eu le bon réflexe, en fait, de fermer la porte. Ok. Quel jeu. Quel jeu. Okay. Eh. En fait, pour ceux qui savent pas, cette séquence, tu vois, où tu dois barricader la porte et tenir, en fait, elle existe dans RE4. Tu vois. En fait, au tout début du jeu, tu dois faire pareil, tu dois barricader les portes et tenir, tu vois. Et de voir qu'ils l'ont reprise ici, c'est cool en vrai. Y'a un mec là. Ah ouais. Run. Et merde. Survivre à l'assaut. Oh shit, man. Give me the real gun. Il y en a de plus en plus. C'est pas ça. Plein de farine. Ferraille. Ouais, je comprends. En fait, ce qui est ouf dans celui-là, les gars, ce qui est ouf dans celui-là, c'est que tu retrouves le côté oppressant du 4, tu vois. Et c'est pas comme le 7 où c'était une balade de routine. Là, t'es... Pas.
Pardon, excusez-moi, monsieur. Ok. Ok. J'ai compris. En fait... Putain, ils sont très très forts. Ils sont très 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 forts. En fait, ceux qui n'auront pas compris, en fait, c'est exactement comme dans Resident Evil 4. Où en gros, tu peux tuer le mec en fait. Tu peux le tuer. Et si tu le tues, avant la sonnerie, parce qu'en fait, c'est quand ça sonne, il se barre, tu vois. Si tu le tues avant la sonnerie, je pense... qu'il te donne un loot de bâtard. Je crois, en fait, si je dis pas de conneries. Je pense, hein, parce qu'en fait, dans le 4, c'était comme ça, tu vois. En fait, au début du 4, t'arrives dans le village, t'avais genre, « Demi-amate, tamelo !» Et en fait, ils venaient tous te niquer. Et je sais pas si vous vous rappelez, en fait, il y a la meuf avec la tronçonneuse qui arrive, tu vois. Et si tu la tues, en fait, apparemment, elle donne genre une gemme, un truc qui coûte genre 10 000 gemmes ou 15 000 gemmes, tu vois. Et je pense que c'est le même schéma, en fait. Si t'arrives à tuer le gros avant la fin du temps imparti, du coup, en fait, tu récupères ton... Oh, c'est incroyable. Oh, je suis amoureux. Oh, je suis amoureux. Mentalo, Mentalo. Eh, je suis amoureux. Des filles qui vont venir chez moi demain. Des filles qui vont toquer chez moi. Ils vont me dire, trop de bruit. Faut arrêter de crier au bout d'un moment. C'est incroyable. Oh là là. Ah bah, enfin, il se bande, lui. Attendez! Ah mais quelle attendez frère? Elle fait peur! Barre-toi! Bienvenue en enfer, survivre à l'assaut des lycans. Ah oui, c'est les lycans. Eh, je suis blessé quand même! Mamie! We have to talk. Mamie, j'arrive, deux secondes. Est-ce que vous pensez que c'est comme le 4 est-ce que vous pensez que le loot dépop une fois que le truc est fini? Parce que dans le 4, en fait, le loot, tu peux looter que pendant la phase d'action. Et une fois que la phase d'action est finie, le loot dépop, en fait. Est-ce que vous pensez que c'est pareil? Non, c'est pas pareil. Sur la carte. Tu veux me dire que je suis aussi chaud que ça, même en période, même en phase de stress? Vous êtes en train de me dire que... Vous êtes en train de me dire que j'ai tout looté, même en étant stressé?
prêt. Ah ouais, je suis giga chaud. Par contre, je sais pas si la carte montre même les trésors. Enfin, est-ce que le bleu là, quand t'as un truc qui est bleu, est-ce que ça signifie que t'as même looté les trésors ou pas? Ça, c'est ce que je sais pas, tu vois. C'est pour ça que je refais le tour en fait, au cas où. Ah, même le trésor? Vous êtes sûr? Ok. Ça, c'est nul en vrai, mais c'est pas grave. Parce que du coup, le trésor, ça me sentait cool, tu sais, que tu puisses les rater ou quoi. Oui, mais en fait, les salles bleues, c'est uniquement les maisons. Ça veut dire que s'il y a du loot là, tu le verras pas en fait, on est d'accord? Genre, s'il y a un loot là, ici, là. Ben, c'est pas dans une salle, donc tu le verras pas en fait sur la carte. Ah, ouais, c'est, en fait, c'est bien. Non, en fait, c'est bien. Non, en fait, c'est bien. Ouais, c'est bien pensé. Ok. Dans la vie et la mort, nous te rendons gloire. Ouais, je vais faire une pause, on va faire une pause. Madame, restez pas ici, c'est dangereux. C'est quoi ça? Hé, hey, vous m'entendez? C'est toi, le père de l'enfant. L'enfant? Attendez, vous parlez de Rose? Elle est ici? Rose, oui. Elle court un grand danger. Depuis que Mère Miranda l'a amenée au village, les ténèbres se sont abattues sur nous. De quoi vous parlez? De ces monstres? La cloche du château annonce le malheur. Ils arrivent. Attendez, où est Rose? Qui est Mère Miranda? Le glas sonne pour nous tous. Ça y est, ils reviennent. Rose est ici. Chat. Vous savez, il y a un dicton qui dit « La première impression est souvent la bonne. » Tu sais. Et souvent, tu sais, quand j'ai un feeling avec un jeu, généralement, je sais de suite si le jeu va me plaire ou pas, tu vois. Et je sais de suite si le jeu est fait pour moi ou pas. Je vous le dis, je vous l'annonce en mille, ok? Le jeu est incroyable. Pour l'instant. Pour l'instant, il y a tout ce que j'aime. Le loot, les ennemis qui meurent qui lâchent du loot, l'aspect financier qui manquait dans le set, tu vois, avec de l'argent, le fait de pouvoir tourner comment dire, son stuff et de pouvoir faire du Tetris, du craft, des trésors. Oh ! Crâne crisé, une créature au croc acéré, objet de valeur. Mais combien tu sais combien ça coûte ça? Wow. Même le modèle 3D, tu sais, genre, est tellement bien branlé. Et là, tu veux que j'en ai une. Je vous le dis. Pour l'instant. J'aime beaucoup. J'adore. Enfin, pas j'aime beaucoup. Je surkiffe. Petite pause. Allez chercher à boire, chercher à manger, aller faire pipi. Et on reviendra dans quelques minutes pour la suite. Hâte de voir le vendeur en vrai. Ah ouais, de fou la même. Chat, on se fait une micro-pause. Petite musique pour ceux qui veulent pas aller en pause. On se fait une petite page de pub? Non, parce qu'il faut râler la souci, les gars. Je l'ai acheté. Hein. Capcom, ils m'ont pas envoyé de clé. Hein. Capcom, c'est pas... des fois, c'est des frérots. Des fois, c'est pas les frérots Capcom. Ils m'ont pas envoyé de clé. Du coup, je l'ai acheté. Version Deluxe. Allez, des bisous. Et j'arrive, je reviens. Ne bougez pas. Capcom, si vous voyez cette vidéo... Sachez que je vous aime et que ça n'ampute en rien mon amour pour vous, ok? Mais la prochaine fois, il faut m'envoyer une clé. Ou une petite clé collector aussi. Si c'est une collector, je prends. J'arrive.